Morias Paraske, was macht das? Il est revenu de Balagray complètement enragé. Il a exigé mes impôts de toute l'année. Quand j'ai refusé, ils ont brûlé ma ferme. Tu es sûr qu'il s'agissait des hommes de Léandre? Et ma femme qui disait qu'il ne fallait pas lui résister. Moi, je déteste quand elle a raison. Léandre paiera. Tu as ma parole. Ta parole, Dioclès? Qui va ensemencer mes champs? Qui va redonner vie à mes chèvres? J'en ai assez de ce pays, et de toi aussi. Ta parole. Et toi, de quoi notre vénéré magistrat t'a-t-il escroqué, Égyptien? Praxila dit que tu peux m'aider. Je m'appelle Bayek. Comment va-t-elle? Aussi bien que possible, compte tenu des crimes de Flavius. Je suis la piste sanglante de ce chien depuis 6 mois. Les rumeurs sont fondées? Oui. Comme ces préparatifs de guerre. Un oppresseur de plus. L'Égypte ne retrouvera jamais la paix. Les invasions se succèdent. Flavius fera de l'Égypte un vaste tombeau. Il gouverne depuis l'Acropole. Mais l'endroit grouille de Romains. Je prie pour que le sort te soit favorable, Bayek. Je dois m'occuper de ce magistrat véreux, Léandre. Reviens me voir, si tu veux aider la cause de Cyrène. Merci, Dioclès. Il est temps que mon fils rejoigne les champs de roseaux.
plasma o se felon dos pasinesco. Architecta de Kemo. Nous n'avons pas besoin de credo ni d'endoctrinement. Nous ne rôdons pas dans l'ombre. Nous marchons. De notre fondateur. Ah, ils attaquent à vue par ici. Le temple de Mars. Quel bonheur de retrouver les dieux romains hors d'Europe. Le proconsul Flavius me fait froid dans le dos. Tu as entendu les rumeurs à propos de Siwa? Non, faut s'apurer un peu.
Existait, mais tout est exempt de la terre. Et t'es au pied de Ultime cool. Tentate! Ego astendam tibi dolor! Tu crois vraiment que je ne te sens pas rôder dans les ombres, Bayek de Siwa? J'ai remonté ta piste de meurtre et de massacre depuis ma terre natale. Maintenant, prépare-toi à payer pour la mort de mon fils! Non, Égyptien, prépare-toi à te prosterner devant Dieu!
Tu as tué mon fils, mes amis. Pourquoi tu ne m'as pas tué quand tu en avais l'occasion? Tu aurais dû rejoindre l'or. Tu as besoin de nous. Mais tu as choisi l'esclavage. Le meurtrier de mon fils se cache dans un temple. Ton ami Melchai était têtu comme une poule, tout comme ton fils. Tu vas bientôt quitter ce monde, Flavius. Ton esprit finira par repasser comme celui des autres. Rien d'autre qu'un paysan. L'Égypte n'est qu'un ramassis de chameaux et de pelleteurs de bouse. Tu as empêché mon fils de rejoindre l'autre monde! Un homme. Tu seras jugé dans la douane. Yeah.
C'était un enfant, Flavius! Mon enfant! Eh bien, vois-tu, c'est l'une des seules choses que je ne regrette pas. Tu n'auras jamais la paix! La mort de ton fils m'a valu le respect de l'ordre! Et de César, je tenais Rome! Elle m'a apporté un empire. 1000 fils, tous plus grands les uns que les autres. Ah! Allez! Achève-moi! Sale lâche! Tu perds du temps! Je ne peux pas! Je ne peux pas! Je ne peux pas! Tout va bien, papa. Non. Je vais te perdre à jamais. Pas à jamais. Je t'attendrai dans les champs de roseaux. Ne doit jamais être retrouvé. Aya doit savoir que le cas de notre enfant a trouvé le repos. Voilà! Es nunc finis! Et dabo vos in consumationem! Avete ivi! Thank you.
them! He's dead! C'est trop! Παρασκευάσματα τούτα εστί.
Idioti. Oran vulime di micanaste ina exel. Bayek. Ça fait si longtemps. Flavius est mort. J'ai affronté l'horreur pour arracher notre fils à la droite. Gemu est en paix. Puisse-t-il arpenter les champs de roseaux. Je vais à Rome pour... Rome ? Aya, tu ne vois donc pas la folie de tes ambitions ? J'ai fait des erreurs. Tu en as fait aussi. Aya, tu gaspilles ton énergie. Ah. Tu es le célèbre Medjay. Phanos ne cesse de parler de tes exploits. J'ai formé un groupe. Voici Brutus et Cassius, ce sont nos frères romains. Nous allons abattre ces chiens à l'autre bout de la mer. Septimius et César. L'ordre n'est plus seulement le souci de l'Égypte. Cléopâtre règne toujours. Personne ne règne sur l'Égypte. Elle est soumise aux caprices de plusieurs tyrans. Notre reine nous a abandonnés pour Rome. Rien n'a changé ici. Memphis est sous l'emprise de l'ordre. Aya, tu dois agir. Ça ne peut pas finir comme ça. Aya, cette maudite sphère doit rester cachée à jamais. Elle a causé trop de malheur. Papa, bien, si un llego, ne. Ne vous plaît. Nos victoires s'accumulent, mais notre lien se délite. Nous sommes destinés à nous quitter. Tout nous dit que notre amour est impossible. Tu avais raison. Nous luttons pour quelque chose de plus grand. Mais notre amour vit dans la droite. Sauf qu'il nous faut l'abandonner. Laisse les dieux en décider. Les dieux sont morts. Nous devons oublier nos vies pour le bien commun. Toute cette souffrance avait un sens. J'ai eu tort, nous n'aurions pas dû tuer en public.
Nous devons œuvrer dans l'ombre. L'Égypte est à terre. La Grèce aussi. Rome tombera à son tour. Tous tomberont devant le credo, mais personne ne le saura. Quand nous assassinerons, nous ne frapperons que ceux qui le méritent. Les quelques esprits malades qui veulent nous contrôler. Mais ils ne sauront jamais qui nous sommes. Froid, calculateur, des poètes de la mort. Je suis d'accord, Aya. Je ne suis plus un père. Je ne suis plus un mari. Ni même un média, je suis celui qu'on ne voit pas. Oui. Nous sommes ceux qu'on ne voit pas. Nous aiguisons nos lames pour attiser l'espoir de ce monde en ruine. Bayek de Sion. Au nouveau credo. Le nôtre n'est plus. J'aurais dû t'écouter. Abipti. Ces mots ne seront pas tes derniers. Plus tard, vous êtes qui ? William Miles, ça te dit quelque chose ? L'assassin ? Donc tu me connais ? Nous, les assassins, nous t'avons observé. Il est... inhabituel pour un employé d'Abstergo de s'intéresser à une révolution. Là, vous n'avez pas tort. Nous avons suivi ton travail sur l'Animus. Étonnant ce que Diana et toi avez accompli. Dis. Ils t'ont menti, hein. Sophia Rikin t'a fait tellement de promesses. Ça suffit! Je refuse de parler d'elle. Oui. Nous aurons des tas d'autres sujets à aborder ici, Alexandrie. Si vous croyez que je vais venir avec vous... Eh bien, voyons tes autres options. Tu peux venir avec moi, ou rester ici pour jouer la danse de la mort encore et encore jusqu'à ce que tu commettes une erreur. Il te suffit d'en faire une seule. Tu ne peux pas revenir à ton ancienne vie, Leila. Je n'y comptais pas. Mais tu pourrais enfin travailler sur le projet Animus. Notre version, bien sûr. Et avec nous, tu seras toujours libre de faire les choses comme tu l'entends. Bien. Je suis partante. Ce qui ne veut pas dire que je rejoins votre camp. Je comprends.